Monsieur Mohamed Laïchoubi, bonjour. Bonjour. Alors, l'instabilité à nos frontières, une véritable menace, Mali, Libye. Monsieur Laïchoubi. Euh, un dossier extrêmement euh, crucial, pour ne pas dire extrêmement important, et à nos frontières et en plus qui, qui conditionne une grosse partie du devenir de la région on reviendra sur l'enjeu de la libye pour l'algérie c'est quand même la libye c'est deux verrous fondamentaux la première entrée vers le sahel la capacité de déstabiliser le sahel et donc l'algérie est totalement concernée dans son, ses frontières sud et puis la, 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 la seconde c'est l'intégralité de la politique euro méditerranéenne c'est-à-dire que la libye c'est aussi un pays méditerranéen en face de la Sicile, donc de l'une des plus grandes bases de, euh, maritimes de, de l'OTAN, et puis qui est dans la continuité, parce qu'il faut savoir que la mer Noire, la mer de Marmara, euh, la prolongation de la façade méditerranéenne libyenne est dans cette continuité. Vous avez à votre droite l'Égypte et Suez, et vous avez en face, cela veut dire tous les enjeux de transport gazier, d'énergie, etc., où... D'accès des grandes puissances de l'Est, notamment la Russie, se fait par ce couloir. Et donc, euh, la Libye est un double verrou et elle influence immédiatement toutes les politiques algériennes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sécuritaires ou géostratégiques. Alors l'Algérie, euh, la Libye, véritable bourbier à nos frontières, le ministre libyen de l'intérieur l'avait laissé entendre si la Libye tombe, l'Algérie et la Tunisie vont tomber. L'Algérie se déploie sur le plan diplomatique, joue un rôle pivot euh, pour une solution euh, politique longue. De la Libye pour l'Algérie aujourd'hui, Monsieur Lechoubi. Oui, d'abord un concept, un élément. L'Algérie ne, ne tombe pas. Euh, pourquoi Parce que euh, l'Algérie, c'est euh, une révolution, c'est une adhésion, c'est une, une société qui a l'habitude du combat, c'est une, une nation qui sait ce que c'est que se lutter pour sa liberté. Euh, par contre, être en difficulté ou être mis en difficulté, ou être euh, mis euh, sous pression en termes économiques, ralentir son développement, le contrarier, ça c'est une certitude. Ou bien créer des, des zones d'insécurité, on l'a vu euh, dans l'intégralité des grandes régions du monde, chaque fois que les puissances entrent en compétition, elles le font au détriment d'un certain nombre de, euh, de pays. Et donc si vous voulez, l'ingérence, la modification des frontières est devenue une, une règle. Euh, de la relation internationale et de, depuis très 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 longtemps. Et donc l'Algérie qui a déjà dans sa chair senti ça, puisqu'il faut se souvenir que le, la révolution algérienne a été prolongée de deux années à cause des prétentions de l'ancienne puissance coloniale sur sa partie euh, sud. Donc le morcellement, les risques de morcellement ou les velléités, la volonté de morcellement d'un certain nombre de puissances, l'Algérie le sait, la société algérienne le sait. Et donc c'est vrai que c'est un danger crucial et important, mais surtout... On y reviendra si vous permettez, c'est un exemple fondamental des stratégies qui peuvent être faites contre des petits pays ou des pays euh, moyens, comme c'est le cas de l'Algérie. Mais quel est l'enjeu aujourd'hui euh, de la Libye pour l'Algérie, pour être clair par rapport à cette question, monsieur Laïchoubi, puisque l'Algérie actuellement se déploie sur le plan diplomatique pour une solution politique et négociée? Alors l'enjeu sécuritaire est évident parce qu'on on vient de l'expliquer, euh, les velléités un peu des grandes puissances, c'est de modifier les frontières, à leur avantage, euh, si on peut rappeler l'histoire. D'ailleurs, une, une, une petite parenthèse, chaque fois que les grandes puissances et leurs capacités d'information, leurs grandes chaînes de télévision, leurs grands journaux, proposent à chaque fois, entre guillemets, aux révolutions, le débat de la rupture, ça n'est jamais par hasard. Pourquoi Il ne faut pas se souvenir, on, euh, il faut... Euh, éviter de se souvenir que le congrès de Berlin en 1878 a permis à, à, à l'Europe centrale d'être morcelée par des petits pays euh, qui n'ont aucun, aucun poids, que 1916, que 1922, que 1926, avec les accords Sikes-Picot, puis la Yougoslavie, et puis durant les, les révolutions et la décolonisation, le Congo a été fracturé, euh, plus. plus euh, plus récemment, le Soudan a été fracturé. Il y avait des velléités de fracture ou dans le fait, l'Irak est fracturé. Je veux dire, le morcellement des territoires est une pratique internationale. Et donc, ça, c'est, c'est les dangers, les stratégies. Ça, on le sait. Le deuxième aspect, c'est l'enjeu économique. Comment un développement peut être contrarié? C'est une région qui a des capacités économiques importantes. C'est quasiment un hub pétrolier quand vous additionnez le Soudan, l'Algérie, le Nigeria, la Libye, et, 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 etc. C'est une capacité pétrolière gazière qui peut, qui, peuvent, qui peut être mise à disposition du développement. Ça veut dire qu'on peut organiser, les pays de la région ont une capacité. Quand on progresse, quand on progressera, quand les différents pays se mettront à niveau, il y a une capacité d'envisager une économie régionale fructueuse. Et avec le Nord également. Le Nord est dépendant des énergies du Sud, là aussi, avec l'Espagne, avec l'Italie, ce qui se fait déjà, et avec un certain nombre d'autres pays, on peut construire une économie fiable, une économie solide, dans laquelle l'élément énergétique sera un élément fondamental. Je ne dis pas qu'il faudra rattacher aux énergies fossiles, mais je dis que ce paramètre des questions énergétiques est un paramètre fondamental, qu'il s'agisse des énergies fossiles ou plus tard des énergies alternatives, c'est un élément qui nous permet de projeter un avenir économique intéressant. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'indirectement, c'est l'enjeu et la bataille énergétique et économique à la fois Absolument. Je dirais sécuritaire aussi, parce que, et politique. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, il y a quand même, il faut peut-être rappeler quelque chose. C'est, il est intéressant d'aller au fond des grandes questions. Euh, dans les relations internationales telles qu'elles ont évolué sur le dernier siècle et telles qu'elles évoluent, vous avez globalement surtout dans notre région à nous deux grandes pensées. Une, qui croit en la hiérarchie des États, des populations, pour ne pas dire des races, où vous avez le seigneur et vous avez les vassaux. Et puis vous avez une économie construite. C'est le grand parrain qui décide des politiques énergétiques. C'est le grand parrain qui décide des politiques économiques. C'est le grand parrain qui décide des politiques étrangères. Ça, c'est une idée. Et on l'a vu. Les gens le construisent. D'ailleurs, un certain nombre de, de conflits sont liés à cela, puisque il y a des pays qui ont été éjectés du Moyen-Orient, éjectés de Syrie, éjectés d'Irak. Et ils sont encore présents en, en Afrique avec cette vision. Les économies d'un de, de, certain nombre de ces pays sont accaparées par ces grandes puissances. Donc une hiérarchie. Je gère votre uranium, je gère votre pétrole, je gère votre cacao, je gère le, vos bananes, etc. Ça, c'est une idée, une pensée. Elle est là, elle est claire, on cohabite avec elle. Et vous avez une autre prétention, par exemple celle de l'Algérie, qui dure depuis des décennies, qui dit nous voulons une autonomie. C'est le combat qui dure depuis très longtemps, où nous devons maîtriser nos propres richesses, notre propre devenir, décider pour nous-mêmes, et puis développer, s'il le faut, des partenariats respectueux. Donc deux idées qui sont totalement contradictoires et qui expliquent le premier paramètre géopolitique. Le premier enjeu géopolitique. Mais l'enjeu géopolitique aujourd'hui, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, euh, Monsieur euh, Mohamed Laïchoubi on voit de nouvelles puissances qui interviennent euh, dans euh, des conflits euh, dans le monde, euh, comme cela est le cas actuellement euh, en Irak, en Syrie, en Iran et actuellement en Libye. Quelle lecture donner à l'intervention turque dans le conflit libyen? Oui, alors je vais vous donner bien sûr mon, 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 mon avis. Il, il est sur deux aspects pour qu'on comprenne très bien. Le premier, c'est qu'il y a une nouvelle où euh, les Américains, les USA ont réanimé une ancienne stratégie dite euh, de la gouvernance, euh, euh, la démarche bismarckienne. C'est-à-dire quoi Vous êtes le centre et les autres dépendent de nous, de, de, du centre, mais ne peuvent pas euh, collaborer entre eux. Pour pouvoir collaborer entre eux, ils passent par vous. C'est-à-dire, pour schématiser abusivement, c'est que vous avez un pays suzerain, un pays seigneur, et vous avez des vassaux. Et donc, vous avez les États-Unis, vous avez les autres, l'Union européenne, vous avez le Japon, vous avez un certain nombre d'alliés, et il y a une hiérarchie d'alliés. Puis après, vous avez les autres. Et donc, ça, c'est une stratégie développée par Bismarck qui vous dit de quelle façon la stratégie doit, doit être faite. Cette stratégie euh, qui existait déjà a évolué un peu plus sous Trump. C'est-à-dire quoi Ils estiment que les États-Unis ont trop dépensé pour euh, l'intégralité de ce qu'on appelle le système monde, pour tout, pour l'Union Européenne, pour le Japon. Elle a dépensé en normes, en dépenses militaires, etc. Et ils estiment que chacun doit prendre sa part de responsabilité en financement, en initiative et puis en maîtrise de, 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 sa, de sa région. À partir de là... Ils ont laissé des pays partenaires développer dans leur région les propres politiques et s'investir. Alors ça donne la Turquie qui émerge dans sa région qui était un élément pivot de, de l'OTAN. Ça donne un certain nombre d'autres pays, des pays du Golfe, qu'on estime devoir financer un certain nombre d'actions. Donc ils prennent des responsabilités, bien sûr, toujours en étant fidèle à la grande géostratégie euh, euh, américaine. Alors ça, bien sûr, ne, ne dit pas qu'il n'y a pas de contradiction, puisque la Turquie a estimé qu'elle a subi un mauvais coup avec la tentative de coup d'État. Ça veut dire que la confiance ne règne pas en totalité avec les pays alliés, et donc un certain nombre de pays développent des autonomies, et on l'a vu, la Turquie a un besoin extrêmement important d'énergie. C'est un pays qui a plus de 80 millions d'habitants. C'est un pays qui a très longtemps fait une croissance de 10%. Ça veut dire qu'il est énergivore. Et, et donc, il n'a pas de ressources. Il lui faut trouver des ressources. Et on va revenir sur cet élément parce qu'il est fondamental. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'Algérie, qui campe sur sa position de principe, refuse toute ingérence étrangère dans les affaires des États et des pays, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan diplomatique. L'arrivée du président turc, euh, le ministre des Affaires étrangères, Emirati, en Algérie. Il y a eu aussi l'arrivée du ministre euh, des Affaires étrangères italien. Est-ce qu'on peut dire qu'indirectement, on veut influer sur la position de l'Algérie de telle sorte Est-ce qu'il y ait une implication directe ...directe de l'Algérie dans ce conflit, aussi bien militairement... Non, c'est à mon sens, ma lecture, c'est l'inverse. C'est une guerre par procuration. Non, ma lecture, c'est l'inverse. Le, le premier, euh, voir l'Algérie intervenir, ça on l'a vu avec le, le Sahel. Euh, donc un certain nombre d'une puissance, une ancienne puissance coloniale a estimé que euh, son action de gendarme devait être accompagnée par l'Algérie. Elle a sollicité l'Algérie, tout comme elle sollicite un certain nombre de pays européens, soit dans le financement, soit dans l'accompagnement. Et ils sont, beaucoup sont réticents, l'Allemagne a toujours été réticente. Elle estime que le Sahel ne doit pas être le précaré de telle ou telle puissance. Donc il y a une évolution dans les relations internationales. Certains estiment que les anciennes visions coloniales et hiérarchiques, comme je l'avais dit, n'ont plus, plus mise. Et donc quand un conflit pourrit comme c'est le cas au Sahel, ils, ils viennent mais avec beaucoup de réticence. On a sollicité l'Algérie. Sur le conflit libyen, c'est l'inverse. On ne veut pas de l'Algérie. Un certain nombre de pays ont tenté de, de résoudre, puisqu'il y a eu des, des réunions et, et, et le forcing de l'Algérie, sa diplomatie dynamique avec l'élection présidentielle, avec la, présid la, 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 la présence de l'actuel président. Il y a eu une dynamique diplomatique extrêmement importante, fondamentale même, pour, euh, euh, pour imposer l'Algérie à Berlin dans les discussions, et immédiatement après, la stratégie de l'Algérie, qui à mon sens a été extrêmement intelligente, c'est de rappeler... Aux grandes puissances, quelle que soit leur convoitise, leur arrière-pensée ou leur bonne foi, que rien ne peut se faire sans les pays concernés. C'est la raison pour laquelle la stratégie pour inviter les pays frontaliers est une stratégie extrêmement intelligente. D'abord au regard de l'opinion mondiale, mais en plus au regard des, des, des grandes puissances elles-mêmes en disant il faut compter avec les pays concernés. Et mais... c'est ça qui donne le côté intelligent et dynamique. Mais vous avez certains analystes et politologues qui considèrent que les Turcs sont en Libye pour deux raisons. La première c'est que Erdogan est confronté actuellement à des problèmes économiques terribles dans son pays et à, et à une, une opposition de plus en plus euh, forte. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est que les frères musulmans de Tripoli et de Misrata sont de grands amis de la Turquie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a ces deux paramètres qui en font en sorte Est-ce que la Turquie interviennent ou il y a d'autres enjeux. Vous savez, je me, je me méfie des, des analyses superficielles qui sont su, souvent su, suggérées par la, la presse euh, grand public, notamment de certains pays occidentaux. Euh, on, va, on va très rapidement aller à des questions de géostratégie majeure. Il y a la cartographie du pétrole et du gaz en Méditerranée qui a changé. Il y a une nouvelle, euh, de, de nouveaux potentiels qui, se, qui, se, qui, qui émergent pour Israël, pour la Grèce, pour éventuellement la Turquie, etc. Et donc, il y a un accord qui vient d'être signé entre Israël, entre Chypre et, 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 et la Grèce pour exploiter et pour étendre cette zone maritime, la maîtriser, la contrôler et exploiter les potentialités qui existent. La Turquie développe une stratégie inverse. C'est donc de se mettre immédiatement en relation avec la Libye, de proposer au gouvernement Sarraj de lui proposer un appui en contrepartie d'un accord qui lui permet d'étendre sa zone maritime et de mieux contrôler. Et donc, si vous voulez, cela concerne la Turquie, mais pas uniquement. Parce que c'est toute la cartographie énergétique de la Méditerranée qui est en train de changer. Maintenant, la Turquie intervient non seulement pour elle-même pour des questions énergétiques pour alimenter, parce que c'est un pays en croissance. Dire qu'elle est en difficulté, là aussi, il faut agir entre guillemets. C'est un pays qui a fait du plus de 10% sur les 10-15 dernières années. Alors bien sûr, un certain nombre de pays européens que je ne citerai pas, mais que vous connaissez, euh, chaque fois euh, choisissent l'argument facile, la Turquie est en difficulté, tel pays est en difficulté. Vous parlez enfin, de la France. Par exemple par exemple pour ne citer que cette presse-là. Et donc la, la Turquie a sa, a sa propre géostratégie, mais pas uniquement. Il faut se rappeler que la Turquie reste un élément de l'OTAN. Alors, Monsieur euh, Mohamed Laichoubi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec ce qui se produit actuellement en Libye, qu'on est dans le prolongement de ce qui s'est passé en Libye depuis 2011, avec bien sûr l'élimination par les Français, ou plutôt par Nicolas Sarkozy, d'El-Kaddafi, Al ou alors les choses ont plutôt changé depuis Alors, on est dans les deux. En termes d'ingérence, on est dans la continuité, parce qu'un certain nombre de puissances estiment qu'elles peuvent... Euh assurer leurs intérêts en intervenant dans les autres pays, en les dévastant, en modifiant leurs frontières et en accaparant leurs. Et alors là, j'ouvre une, si vous voulez, une, une parenthèse pour que les les élites des pays qui veulent faire avancer leur pays, euh, le débat est-ce que l'ingérence est uniquement euh, c'est une c'est un épouvantail qu'on manipule, qu'on dit est-ce que réellement les gouvernances d'un certain nombre de pays ne font pas exprès de crier l'ingérence pour couvrir Non, l'ingérence est une réalité de la relation internationale. Hélas, on l'a vu, les drames que nous avons en face de nous, en Irak, en Libye, en, en Syrie, au, au Mali, euh, euh, au Soudan et dans une multitude de pays, en Afghanistan, etc., c'est de l'ingérence. Leur motivation première, c'est de, de les convoitises. Alors, ce que j'appelle moi dans mon ouvrage, c'est ce que l'on appelle, le, ce que j'ai qualifié comme concept l'effet ciseaux. C'est-à-dire que vous avez une première tranche du, du, du couteau qui est celle de, de l'ingérence, où vous inversez. Vous avez la première qui est celle d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise gestion. De contradiction et de marginalisation de la population. Des pays où la décision politique ne sont pas souvent, euh, ne, 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 ne se préoccupe pas de faire adhérer leur population. Il n'y a pas une mécanique de relation. Il y a en général un développement qui peut être entre les mains d'une minorité, etc. Et donc, premier élément de l'âme, c'est la mauvaise gouvernance, la marginalisation et la non-implication des populations dans leur devenir. La deuxième lame, c'est l'ingérence, c'est-à-dire pays fragilisés, pays convoités soit à cause de ses ressources, soit à cause de son positionnement géostratégique. Et vous avez le ciseau qui tranche dans les deux cas. L'un comme l'autre sont extrêmement euh, dangereux. Donc on ne peut pas exclure des il n'y a que l'un ou il n'y a que l'autre. Il y a dans ces pays-là ce que j'appelle moi l'effet les euh, ciseau et la Libye en est le cas, si vous permettez, pédagogique fondamental. Alors, ce qui a changé très rapidement, c'est si les acteurs se sont multipliés. La Russie a estimé que le coup de Trafalgar, si vous me permettez l'expression, par les, les Français, notamment les grands, la Grande-Bretagne et même les Américains, même avec un peu de de, de réticence, se sont faits sans concertation avec la Russie ou du moins en avançant un argument qui n'était pas le, le le bon et donc on a voulu accaparer et modifier ce que j'évoquais tout à l'heure la cartographie énergétique de toute la Méditerranée et la Méditerranée en termes de cartographie énergétique c'est une très grosse partie sinon la plus grosse partie euh, des éléments des paramètres énergétiques dans 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 le monde et donc, vous avez l'émergence d'un certain nombre d'acteurs, vous les avez cités, vous avez l'émergence de la Turquie, vous avez l'émergence de la Russie, et vous avez l'émergence des pays du Golfe pour d'autres raisons. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'élimination de Gaddafi, ça a signé la première ingérence et le, la, et le projet de destruction de ce pays C'est une certitude. Euh, très souvent, vous savez. La France a une grande part de responsabilité. Une responsabilité ou, pas grande, une responsabilité certaine, totale et entière. même fondamentale. Et puis en plus, le, le côté, j'allais dire cynique et, et pour vous me permettez l'expression triviale un peu pourri, c'est qu'en plus il y a des questions personnelles, puisque le même personnage a été reçu, le même personnage a financé, ou du moins on prétend qu'il l'aurait éventuellement financé, mais en tous les cas, cette histoire d'argent euh, entre euh, tel et tel pouvoir, entre tel et tel parti, entre telle et telle campagne n'est pas euh, clarifiée. Il y a des soupçons majeurs, on les évoque euh, sans arrêt, en plus de contrats qui étaient promis, et en plus de, remettre, de se remettre euh, à, à, à l'Est. Du, du, du Maghreb remettre pied Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Libye pourrait se transformer en Syrie bis avec le déploiement des terroristes djihadistes du Moyen-Orient vers le Maghreb en change de terrain de guerre tout simplement, mais c'est les mêmes enjeux que Alors, ce soit les, en Syrie ou en Libye ou dans d'autres pays, les le Mali enje, également Les enjeux fondamenta, fondamentaux excusez-moi, euh, géostratégiques sont là, ils sont majeurs c'est une certitude là, euh, le, les pays charnières, la Syrie est un pays charnière il y a un enjeu énergétique autour, il y a l'accès à la mer noire, il y a fermé toute la mer méditerranée et ne pas permettre l'accès aux grandes puissances de l'est euh, asiatique et russe, donc Chine, Russie, l'accès à la méditerranée lui fermé parce que si on avait fermé la Syrie, on aurait quasiment fermé toute la méditerranée euh, orientale et donc la méditerranée globalement. La Libye est dans la même continuité, paramètres énergétiques Déterminer le couloir et vous rajoutez un autre verrou qui est le Sahel. Le Sahel est, est l'espace prometteur qui conditionne l'Afrique. L'Afrique demain, c'est 2 milliards 300 millions. Notre région Maghreb plus Sahel, incluant le, le Nigeria, c'est un milliard 200. Donc, c'est non seulement un espace de consommation majeure, mais en plus, c'est un espace qui évolue parce que il faut rappeler que cette des, des, pays, euh, des, 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 des pays sur les dix, les, dix, les, les dix économies les plus dynamiques dans le monde, sept sont euh, africaines. Cela veut dire que les euh, stratèges, ceux qui font de la prospective, savent que l'Afrique peut être demain un géant. Donc il faut se, se positionner. Alors le Sahel, c'est un enjeu énergétique, le Sahel est un enjeu démographique, le Sahel est un enjeu géostratégique. Et la Libye est un verrou, tout comme l'était la Syrie, de ce double enjeu méditerranéen. Et puis, il faut aussi rappeler une chose, c'est l'effet domino. C'est le premier élément d'une partie d'échec. C'est vrai que la Libye est un premier élément, mais c'est l'ensemble du Maghreb. Et la velléité de changer la géostratégie du Maghreb, elle est là, fondamentale. Comment faire que l'Algérie qui développe une vision de partenariat, d'équilibre, des relations internationales respectueuses, comment casser cette philosophie, cette dynamique et ce pays au bénéfice de ceux qui croient en une intégration entre une hiérarchie ou d'autres pays gèrent. C'est un enjeu fondamental. C'est comme durant la, la, la révolution algérienne ou les grands mouvements de, de libération, ceux qui croyaient en l'assimilation, en l'intégration, et ceux qui croyaient en la libération. Réellement, les forces intérieures de ces pays ont intérêt à intégrer ces paramètres dans leur lecture, dans le renouveau de leur pays, le paramètre géostratégique, survivre, défendre, défendre et construire une économie forte c'est intégrer ces paramètres internationaux et les convoitises des autres pays, mais surtout avoir une lecture des nouveaux mondes qui viennent parce qu'à l'époque, l'Occident avait quasiment le monopole. Maintenant, le, 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 la relation internationale s'est démultipliée. Alors, justement, par rapport à ce que vous annoncez un instant, euh, M. Euh, Mohamed Lail Choupi, le déploiement des terroristes djihadistes au niveau de la Libye, on parle pratiquement de 8 000, 10 000, 12 000, on ne connaît pas les chiffres exacts, qui les soutient et qui les alimente aujourd'hui pour qu'ils se déplacent de la Syrie vers la Libye alors, pour le grand Ou alors public... chacun a ses terroristes et ses ah, Voilà, vous l'avez dit. Alors, pour, pour le, le grand public, c'est un peu la confusion. Euh, on nous dit une fois Al-Qaïda, une autre fois... Daesh. Une fois Daesh, une fois... Pour les spécialistes, cette question ne se pose plus. Euh, quand on l'abordait il y a dix ans, les gens développaient des théories en disant « Écoutez, vous poussez un peu le bouchon ». Mais je veux dire, maintenant, il est de notoriété publique que chacun, comme vous venez de le dire, a son terroriste, a sa milice, il a... Euh, dans les grands forums internationaux, chaque fois qu'on me donne la, la parole, et ils le savent, euh, je dis que l'arme massive de destruction massive des 70 dernières années n'est pas l'arme nucléaire. Elle est, à mon sens, réellement la manipulation. Quand nous sommes arrivés à faire changer euh, ou à imposer à l'opinion mondiale, à partir du Conseil de sécurité, avec une déclaration d'un secrétaire d'État de la plus grande puissance mondiale, d'un dossier dont on sait maintenant qu'il était totalement erroné, ça veut dire que la manipulation est devenue une arme de, de guerre. Alors considérer qu'il y a des âges qu'on crée quasiment, et puis après qu'on récupère, qu'on a... Que, à l'époque déjà en Afghanistan, c'était aux frontières de ce pays-là que les, les terroristes entre guillemets étaient formés, financés et autres. Et on a agi avec la même mécanique autour de la Syrie et on est en train de le faire avec la même mécanique dans le Sahel et, et en Libye. Cela veut dire que c'est des milices qui viennent servir les intérêts, créer une situation de pourrissement, pour dire que ces pays sont incapables de se gérer, de trouver une solution, ce qui justifierait légaliserait et légaliserait l'ingérence. Et c'est tout cela que la stratégie algérienne essaye de contrecarrer avec beaucoup de dynamisme. Et j'avoue, je salue un peu ces dernières périodes, le dynamisme de la diplomatie algérienne. Il faut compter avec elle. Bien sûr, on n'est pas une grande puissance, c'est une évidence. Mais euh, pouvoir faire changer les enjeux, je pense qu'on peut influencer. Alors justement, quand vous parlez un peu des enjeux énergétiques, je vais donner quelques indicateurs chiffrés. Les réserves de pétrole en Libye sont des plus importantes en Afrique et les neuvièmes dans le monde avec 41,5%. 5 milliards de barils, ce qui représente pratiquement 3% des réserves mondiales en pétrole. Maintenant, je voudrais vous revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré tout à l'heure, M. Lajoubi. Vous avez parlé de l'OTAN, il faut le rappeler, qui est membre de, le, euh, euh, vous avez parlé de la Turquie, qui est membre actuellement de l'OTAN. Est-ce qu'on peut parler de scission au sein de l'OTAN, puisque certains aujourd'hui soutiennent Haftar et d'autres soutiennent Serraj oui, alors très rapidement pour, pour, pour la Libye, vous l'avez dit, euh, euh, plus de 48 milliards de de, de barils, trois et demi des réserves euh, mondiales. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était un PIB de 70 euh, en 2010, de 70 euh, milliards, et puis euh, pour six millions et demi d'habitants. Et donc, si vous voulez, c'est un pays facile parce qu'il n'a pas une capacité de population de se défendre pour pour l'ingérence. Le, 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 Et puis surtout, il y a ce que l'on appelle des anneaux gaziers en euh, Méditerranée pour cette euh, euh, stratégie. Maintenant, pays de l'OTAN, bien sûr, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En l'occurrence, vous êtes, euh, vous avez une stratégie majeure qui vous est imposée. Vous êtes pays de l'OTAN. Mais dans les nouvelles théories, euh, on vous délègue une partie de la police de, de région et on vous permet évidemment euh, de développer. On vous permet, pas toujours, mais de développer vos propres géostratégies. Mais ce y a eu, un, il y a une nuance, ce que j'appelle moi dans le devenir des nouveaux mondes, le positionnement-repositionnement. Ça veut dire qu'on va avoir des, des pays qui vont changer d'orientation progressivement, brutalement. Brésil, on fait partir Lula. Avec ce que l'on appelle la judiciarisation des, des dossiers, Venezuela, etc. Cela veut dire que les, les grandes puissances, en termes de géostratégie, influencent d'autres pays qui étaient, qui pouvaient rejoindre les BRICS et pouvaient euh, construire une alternative fondamentale. Et donc, la, la Turquie, avec la géostratégie de la Syrie, s'est aperçue avec la question kurde, puisque les velléités, c'est de permettre un État kurde. Elle estimait que c'était un danger mortel pour elle, donc elle-même de morcellement d'un pays. Et donc, elle a réagi à, tout en restant à l'intérieur de, de l'OTAN. Elle a développé sa propre géostratégie, donc elle a pris ses réserves. Mais en même temps, euh, elle construit sa propre politique. Euh, gazière, parce que c'est un pays dynamique. Ça mais on fait dit... partie de l'OTAN. Ah ben bah oui, mais c'est les deux. C'est-à-dire, ce... en, en politique, il n'y a pas d'élément de contradiction. Par exemple, nous, on sait que la, la Turquie est un pays de l'OTAN. On sait quels sont ses alliés. Mais en même temps, nous sommes des gens qui développons l'intérêt de notre pays, de notre société, de notre économie. Et là, on est pragmatique. Avec qui nous pouvons gérer nos intérêts Nous, nous, nous gérons nos intérêts, mais sur les questions géostratégiques, sur les principes, on peut avoir notre avis, notre vision. Et là, donc, pour nous, le partenaire turc, euh, il n'est pas le seul. Il y a le partenaire russe, il y a les autres partenaires. Nous nous Les Imératis, les qataris les, voilà, les Américains. Voilà. Dans ce jeu-là, pour rappeler que les pays de la région sont. Là, et que s'il y a un, un leader sur ces nouvelles visions d'autonomie, c'est fondamental que l'Algérie le joue. Alors, très rapidement sur les questions de l'auditeur, est-ce que l'on peut considérer que l'Algérie, depuis les élections et après la tentative de sa déstabilisation, a déjoué un complot et a réussi à redistribuer les cartes au niveau de la région alors, je pense qu'il y a les deux. Alors, on ne peut pas nier qu'il y a un malaise qui était fondamental. On ne peut pas nier qu'il y avait une demande de liberté. On ne peut pas nier que les Algériens exigeaient une qualité supérieure de gouvernance euh, contre la corruption. Pour les... Ça, c'est une, une réalité. Mais on ne peut pas nier aussi, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'ingérence, les velléités, les convoitises. Il suffit d'ouvrir les yeux, même si on n'est pas spécialiste, à sa télévision sur les quatre ou cinq dernières années, pour se rendre compte que l'ingérence c'est un élément fondamental. alors elle a déjoué elle est en train de déjouer parce que euh, un certain journal de grands pays occidentaux a parlé de la phobie de la paranoïa de l'algérie sur son encerclement. Alors j'allais dire la paranoïa de de ces pays eux-mêmes pour l'hégémonisme qu'ils soient en Afrique euh, en Afrique de l'Ouest on peut parler de leur paranoïa d'hégémonisme non il y a une nous n'allons pas céder à l'émotion mais ce qui était évident c'est qu'il y a des réalités géostratégiques et l'Algérie on est, on est consciente et, et elle assume sa responsabilité. Alors euh, rapidement, ne pensez-vous pas que l'enjeu géopolitique n'est plus le pétrole ou le gaz, les modèles énergétiques des États développés et orientés vers d'autres ressources quand nous, les pays développés, on pense qu'à 2030 et autres pensent à 2070 déjà Puisqu'on a vu aujourd'hui, par exemple, dès qu'on oui, parle oui, d'exploitation oui. de nouveaux gisements, on a euh, oui, très sympathique. des États très sympathique, cette qui agitent certains alliés. C'est très sympathique cette analyse, mais elle est un peu courte. Pourquoi courte Il ne faut pas confondre la prospective. La prospective nous permet de, voir, de, de, de percevoir les horizons et de moduler et notre économie et notre approche. Mais il faut aussi gérer la réalité. Et la réalité est là. L'énergie fossile continue à être une énergie majeure pour laquelle les gens se battent en attendant que les énergies alternatives soient réellement consistante du point de vue technologique et, et qu'elle s'impose et donc si vous voulez vous avez des politiques à moyen terme et vous avez des politiques à long terme et dans la politique à moyen terme la question de l'énergie fossile reste une question majeure alors euh, autre question de l'auditeur quelles sont les causes réelles de cette crise politique en Libye est-ce qu'elle pèse toujours sur notre sur nos frontières et elle pourrait peser encore davantage pour les prochains jours oui, elle pèse pour moi dans nos au niveau oui, des dans l'analyse que nous faisons que tant au Moyen-Orient qu'ici, qu'au Sahel, que dans le Maghreb, il y a ce que l'on appelle l'effet domino ça veut dire qu'il y a une géostratégie qui a été mise en place et euh, les acteurs ont la prétention de pouvoir la réaliser et c'est vrai que l'intrusion d'un certain nombre d'acteurs vous avez évoqué la Russie la Turquie a changé mais le fond reste le même les convoitises sont là et pour l'Algérie l'enjeu de d'assurer son développement d'assurer sa sécurité passe par une vision non seulement régionale mais une vision euh, internationale donc elle devrait tenter de mobiliser autour de ses idées de sa vision parce que le nouveau monde c'est le partenariat le, le monde de, de, de la colonisation, le monde de la hiérarchie, il faudrait que les anciennes puissances le savent est un monde qui est fini. Ils ont l'impression qu'ils sont au sommet de leur capacité, mais en réalité, quand vous voyez l'endettement, quand vous voyez le vieillissement des populations, quand vous voyez qu'ils ont des stratégies qui sont totalement réductrices, il faut pas être prisonnier de cette idée. Il n'y a plus de puissance coloniale. Il y a des nouveaux mondes qui viennent et il faut s'adapter, tant pour nous que pour ces anciennes puissances. Mais justement par rapport à ces questions, est-ce qu'il faut être prudent, conforter le front interne pour ne pas être vulnérable par rapport à ces menaces aujourd'hui Rapidement sur cette question. Vous ne pouvez Lait jamais être une grande nation si vous, vous ne mobilisez pas votre société, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse de la politique, ça. Mais simplement rappeler une chose la démocratie ne veut pas dire la dilution, c'est l'inverse. La démocratie vous permet d'être plus fort économiquement, vous permet de maîtriser la technologie, de la produire, vous permet de maîtriser de la science, vous permet de maîtriser votre devenir. La démocratie, c'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, une évolution fondamentale et transparente. Monsieur Mohamed Lechoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée.